bonjour et bienvenue dans ce nouveau Let's Hatch, cette nouvelle découverte. On va s'intéresser à Vambrace Cold Soul, donc qui est un jeu qui s'approche pas mal de Darkest Dungeon, pour ceux qui connaissent, je pense que vous êtes beaucoup parmi mes viewers, au niveau du gameplay, de l'action et des combats notamment, mais qui est en même temps beaucoup plus scénarisé, avec des petites scénettes, avec des discussions, des échanges, etc. Il m'a un petit peu tapé dans l'œil, je l'ai découvert sur la chaîne de l'attaque du manchot, je vous mettrai les liens vers sa playlist dans la description. Et du coup j'en discutais un peu avec lui et il a l'air quand même vachement sympa, donc du coup je vous fais une petite découverte. C'est le studio qui me l'a offert, donc je les remercie. Vous avez également dans la description un lien pour l'acheter hein, si besoin sur GOG, si jamais il vous tente. Et on va donc s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que Vambrace Cold Soul. Alors, c'est un jeu de stratégie plus ou moins, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer votre groupe de 4 et vous balader dans des zones en essayant de résoudre la quête principale. Donc un jeu de stratégie RPG, avec comme petite subtilité que l'héroïne, contrairement à Darkest Dungeon où le mec qu'on joue et qu'embauche des gens est plus ou moins nébuleux, là on va vraiment jouer cette femme-là avec ses yeux verrons, qui a hérité d'un bracelet, donc Vambrace, qui lui a permis d'entrer dans une ville où normalement on ne peut pas entrer. Donc j'ai fait quelques petits tests, j'ai fait le tutoriel pour voir un peu comment ça se passait, mais on va le refaire ensemble, voir un petit peu les intérêts du gameplay, etc. Comme tous les Let's Hatch, il y aura probablement 2 ou 3 épisodes. Donc on va faire le tutoriel dans le premier, voir un peu comment ça se passe. Et comme ça vous verrez si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'histoire, regarder les épisodes suivants ou le prendre pour ne pas vous spoiler. Et donc c'est parti. Alors est-ce qu'on passe au tutoriel? Non, on attaque. Alors, on a le réserviste Biggs qui nous dit « Voici l'endroit dont je vous parlais. » Réserviste Wedge. « On dirait que les revenants sont arrivés les premiers. C'était vraiment une bonne idée de quitter le chemin qu'on prend d'habitude pour arriver jusqu'ici. »« On ne patrouille pas aujourd'hui, et si bientôt on ne trouve pas de provisions, on va être dans le pétrin. T'as une meilleure idée ?»« C'est pas moi qui vais devoir dire à Céleste qu'on est revenu les mains vides. »« Fermez-la ! » C'est peut-être notre chance de dégoter des provisions. Fouillez et regardez si vous ne trouvez rien d'intéressant. Jetez un œil au graphique du tutoriel et passez à l'action. Donc là c'est sympa, le petit tutoriel est un petit peu scénarisé comme ça, c'est assez sympa. Donc bon, ceux qui sont habitués de Darkest Dungeon reconnaissent un peu l'interface. Hein. On peut se déplacer à droite et à gauche dans les zones. On a une interface des commandes à gauche qui affiche les choses qu'on peut faire avec l'environnement ou les actions qu'on peut faire pendant les combats. Et à droite, on a les actions de groupe, hein, l'inventaire, le codex, la carte, etc. Donc le reste, ça reste assez classique. Alors une subtilité quand même, le jeu se joue en QWERTY. Et j'ai pas trouvé comment changer les touches. Alors je vais pas creuser non plus sans temps, hein, y a peut-être moyen de le faire dans les paramètres du jeu, enfin dans les fichiers de config du jeu, ce genre de truc. Mais par défaut c'est du QWERTY, même quand vous le mettez en français, donc sous Windows. Vous faites Windows espace et vous passez votre clavier en QWERTY. Sous d'autres OS tels que Linux, vous changez de faites Windows espace et vous changez de layout également. Rien de très compliqué. Donc du coup, on se déplace hein, avec notre petit groupe. Donc on a un ordre ici. Rien de très classique pour l'instant. Une porte. Elle est verrouillée? Dépêche-toi de l'ouvrir, restez sur vos gardes. Donc on a différentes icônes d'interaction hein, qui nous permettent de faire des choses, donc ouvrir, ramasser j'imagine, discuter, dormir, observer, etc. S'il y a une croix rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas effectuer l'action. Et du coup on doit rester appuyé sur le bouton pour faire certaines actions, comme par exemple déverrouiller un mécanisme apparemment. Ok, très bien. Donc on a une porte, alors j'ai pas regardé ici, donc bon on va faire un petit tour en speed, hein. On a l'inventaire relativement classique, on a une monnaie qui est le Hélion, avec l'espèce de crâne en forme de dollar, c'est assez sympa là.
Et puis la charge de nos personnages, bien sûr. On a différents types d'objets, ça reste assez classique. Et dans ce jeu, les objets d'équipement s'appellent des reliques. Ce sont des objets relativement rares qui permettent d'être équipés sur vos personnages et de leur donner des bonus. Donc on peut en fabriquer, on peut en trouver aussi. Sachant que dans ce jeu, si j'ai bien compris, seule l'héroïne peut monter de niveau et améliorer ses compétences. Tous les autres, on doit les améliorer par leur équipement. Donc c'est assez particulier ça aussi. Ensuite, si on regarde le groupe, donc le groupe, tous nos personnages vont avoir des statistiques, bien sûr, des statistiques, des compétences. Il y a quelque chose d'assez intéressant également dans ce gameplay, c'est que, comme c'est indiqué ici, on a un cœur qui indique la santé et une bougie qui indique la vigueur. On voit les deux jauges là derrière, hein, rouge et jaune. Et en fait, ces deux jauges là, s'il y en a une qui arrive à zéro, le personnage meurt. Donc les deux jauges en fait sont des jauges de vie, entre guillemets, qu'il faut faire attention de garder élevées. Et elles permettent chacune de faire des actions particulières, quoi. En gros, si votre personnage se prend trop de dégâts, il meurt. S'il s'épuise, il meurt. Bon, c'est en gros le concept. Mais c'est assez sympa d'avoir cette double gestion. Derrière, les compétences sont assez classiques, hein, la combativité pour taper, la dextérité pour repérer les objets, ouvrir les coffres, etc. Le marchandage pour négocier, la perception pour détecter les pièges, et la vigilance pour faire les actions de campement. Donc les compétences de combat, chaque personnage a des compétences de combat différentes. Pour l'instant, j'ai pas vu de personne avec les mêmes compétences, donc je ne sais pas vraiment s'il y a énormément de classes. Enfin, je sais qu'il y a des classes. Il y a différents types de personnages, mais est-ce que toutes les classes ont les mêmes actions ou est-ce qu'elles peuvent se diversifier, même s'il n'y a pas vraiment de montée de niveau? Ça, je ne sais pas encore. On a donc l'équipement classique et on peut changer la formation de nos personnages. Et on peut envoyer des personnes donc qui sont plus dans le groupe du coup, mais qui peuvent tenter de recruter des gens supplémentaires. Donc là, si par exemple on prend notre réserviste Biggs. On voit que bon bah son design le laissait penser, il est plutôt doué en combat. Il a un peu de perception quand même. Il a une compétence de frappe, prière et cri de guerre. Alors on voit ici en bas là les petits plots. Comme dans Darkest Donjon, les personnages ont une position sur la ligne. Donc 1, 2, 3, 4, pareil pour les ennemis. Et les attaques peuvent toucher soit à courte portée, soit à distance, soit sur toute la ligne, etc. On voit que par exemple celle-là peut être utilisé quand il est devant ou deuxième et qui peut taper le premier ou le deuxième ennemi. Celle-là, il peut l'utiliser sur lui-même. Et celle-là, il peut l'utiliser de n'importe où, mais seulement sur les trois premiers. Et il y a une notion de capacité spéciale qu'on verra plus tard, donc qui est utilisée avec les petites jauges bleues là, qu'on voit ici qui sont en haut, et qui permettent d'utiliser des compétences un peu plus particulières. On verra comment ça se passe. Donc on peut regarder un peu tous, hein. Donc lui c'est un réserviste, il a frappe, lui il a frappe également, mais vous voyez que ses compétences spéciales sont différentes. Il peut faire des dégâts de pénétration sur les deux cibles devant, ou alors infliger des points de pénétration et rendre les ennemis impuissants en leur rugissant dessus. Alors que lui peut se soigner et peut utiliser faire un cri de guerre, qui a priori force les gens à l'attaquer, mais du coup ils sont debuff quoi. Et elle, bah, qui est plutôt moins lourdement armée et qui est faite pour être à l'arrière, hein, visiblement pendant les combats en tout cas. Qu'un shuriken volant, un cri de ralliement et qui peut transpercer. Pareil, il faut qu'elle soit devant pour ça. Sachant que elle a une plus haute perception et une plus haute dextérité, donc c'est beaucoup plus intéressant que ce soit elle qui ouvre les coffres et qui soit devant pour détecter les pièges. Du coup, on va tout de suite la foutre devant. Hop là. Et la carte vous montre un petit peu la map, donc là on est sur un truc assez classique. Hein. La carte du tutoriel, il y a trois zones, là où nous on est là en train de crier. Et on va passer à la zone suivante grâce à cette porte. Donc du coup notre personnage revient devant. Et c'est parti. Alors, donc on est dans une espèce de ville totalement gelée, hein. Il y a des cadavres et tout, de la neige partout. On voit qu'ici il y a une porte mais on ne peut pas y aller. Dans le tutoriel, on ne peut pas monter. Donc on s'avance. J'ai trouvé un truc, on dirait un coffre. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Ok, c'est parti!
Ouais. J'ai oublié. Comment on fait pour l'ouvrir déjà? Quoi? Mère toute puissante, aidez-moi! C'est un miracle d'avoir réussi à survivre aussi longtemps en compagnie de ces imbéciles. Reste appuyé sur le bouton qui est affiché sur le graphique du turret et les voilà! Il vaut mieux laisser quelqu'un avec un haut niveau de dextérité faire le sale travail. C'est pour ça qu'on l'a mise devant. Donc les conteneurs peuvent contenir des butins spéciaux. Ok, précieux, précieux, pas spéciaux. Donc si on ouvre avec quelqu'un qui a de la dextérité, il a plus de chances de réussir à ouvrir le coffre déjà parce qu'on peut se foirer et en plus de trouver du butin. Donc là on a le petit graphique qui dit, hein, vous avez pas beaucoup de dextérité, vous chopez de la merde, vous avez beaucoup de dextérité, vous partez avec plein de blé. Ça c'est plutôt sympathique, ça oblige à pas avoir tout le temps une formation avec le gros brouillant devant, la fragile derrière, etc. Parce que seul celui qui est devant peut ouvrir interagir avec l'environnement bien sûr. Et donc on trouve plein de trucs, alors on trouve des boîtes à outils, pleines d'engrenages, de boulons, d'écrous, de clous et d'outils assortis, très utiles pour les artisans en herbe. Oui, car il y a un système de craft, hein, comme je vous le disais plus tôt dans ce jeu. Donc ça pèse un petit peu, on trouve de la ferraille, reste de métal, ok, on trouve des planches, toujours utile des planches, on trouve des chaînes hein, de différentes longueurs et en état divers, ok. Et on trouve un baume aux herbes. Qui donne plus santé plus 3, mais qui est utilisable uniquement lors des phases de campement. Bah, on prend tout, hein. Les coffres d'ici sont différents de ceux des Dénards. Laissons tomber le coffre, tu peux consulter ton inventaire et les informations du groupe comme le montre le prochain graphique. Prochain graphique que j'ai déjà dû passer vu que j'ai déjà ouvert l'inventaire. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, tous nos trucs sont apparus, on avait déjà un petit peu de ferraille. Rien de très très nouveau. En objet de quête, on a un sauf-conduit qui nous permet de nous déplacer tranquillement. Alors, c'est parti, on avance. Et on passe la porte. Ça caille! Tu penses que les revenants se rapprochent? T'as encore oublié d'amener l'ombromètre? On devrait avancer, ça sert à rien de rebrousser chemin s'ils sont juste derrière. Plus on restera sur place, et plus ils auront le temps de nous rattraper. Souvenez-vous, si votre santé ou votre vigueur tombe à zéro, vous serez condamné à hanter ces lieux à jamais. Je me sens pas bien, cet endroit me donne la chair de poule. Donc, là on a le petit résumé de ce que je vous disais, hein. C'est-à-dire que vous avez une barre de santé, si elle tombe à zéro, vous mourrez, et vous avez une barre de vigueur, si elle tombe à zéro, vous mourrez aussi. Comme ça au moins c'est simple. Et on gagne des points de compétences spéciales grâce à des bonus d'action critique et à chaque fin de tour. Ce qui donc c'est la petite jauge bleue en bas de chaque personnage. Ce qui permet du coup d'utiliser les compétences spéciales qui vont avec. C'est plutôt sympa. Un genre d'adrénaline en fait. Oula! Vous déclenchez un piège qui propage des ondes infrasonores, vous provoquant une étrange nervosité. Sentez moins 2 et tremblement des mains. Merde. Notre cher Sacha, je crois. A été prise au piège. Sarge. Un autre piège, celui qui a le plus haut niveau de perception fermé d'être le chef de file pour qu'on puisse éviter les pièges suivants. Bah c'était le cas mais pas de chance. Donc les pièges, il y en a un petit peu partout. Hein. Donc ils peuvent faire des dégâts soit au meneur, soit à l'ensemble de l'équipe. Donc si on met quelqu'un avec de la perception devant, il a plus de chances de détecter les pièges. J'imagine qu'il doit avoir moins d'avoir des équipements et des compétences aussi. Et donc en plus, si on a un faible niveau de perception, on les déclenche plus facilement. Alors après, qu'est-ce que nous dit? Certaines actions ont une probabilité d'échec. Lorsque vous voyez ce texte vert, ça signifie que votre tentative a été un succès. Lorsqu'il est rouge, ça signifie que vous avez échoué, il y en aura une pénalité. Et en gris, ça veut dire que ça a manqué. Et en bleu, ça veut dire qu'on a fait un coup critique. Donc ça se voit surtout pendant les combats pour l'instant, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres actions qu'on peut faire. Pour interagir avec l'environnement. Donc là, on voit que notre dextérité a été baissée parce qu'on a les mains qui tremblent. Pas de chance. Je continue d'avancer avec elle devant. Hein. J'ai vu quelque chose bouger là-bas. Sortez vos armes et restez vigilants. Il faut nous assurer que nous rentrions tous à la maison. Ok, donc combat, j'imagine. Chargé. Alors, on a trois péons qui se pointent. Lors d'une rencontre avec des ennemis hostiles, votre équipe est située à gauche et le groupe ennemi est positionné à droite. Donc comme je vous disais, hein, on a des emplacements. 1, 2, 3, 4. La musique s'est déclenchée, mais ça va, devrait pas être trop forte normalement. Donc, au niveau de l'ordre, on peut le voir en bas.
Donc en bleu les ennemis, en jaune les alliés. Plus on a de perception, plus on agit vite. Ensuite on a les compétences normales, hein, donc comme on a vu dans tout à l'heure, qui peuvent être activées n'importe quand. Par contre on a des compétences spéciales qui peuvent être activées avec les points de capacité spéciale. Et on a également la garde qui nous permet de se défendre et éventuellement d'avoir des bonus. On ne peut pas utiliser d'objets ni échanger de reliques pendant un combat. Par contre on peut consulter la carte et le groupe pour planifier nos attaques, ça c'est cool. On peut également réorganiser notre équipe pendant le combat, ça coûte des actions bien sûr, et on peut essayer de fuir. Alors les types de monstres sont indiqués par l'icône située sur leur portrait. Certaines compétences peuvent entraîner des effets spéciaux basés sur ces types. Donc je pense que ça c'est assez classique, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais il doit y avoir moyen, genre de la lumière sur des espèces de saloperies mortes vivantes ou fantomatiques comme ça, ou peut-être du feu sur les trucs qui sont fragiles. Alors, du coup, elle devant, c'est peut-être pas une bonne idée. On va la remettre derrière. Hop, donc voilà, elle recule. Du coup, elle a perdu son action. Hein. Et on encaisse une première attaque. Très bien. Ensuite, on a le monsieur avec sa lance. Alors, il existe trois types de portée. La courte portée, la moyenne portée et la longue portée. Donc à courte portée, on peut taper les deux premiers devant. À moyenne portée, on peut être utilisé par n'importe qui et taper les deux devant. Ou à longue portée, on peut utiliser n'importe où et taper les deux. Et ensuite, quand on sélectionne une compétence, on a une cible qui nous montre ce qui va se passer. Donc là, la compétence que j'ai prise, c'est celle-là. La tornade, 4 points de dégâts de pénétration à 2 cibles trouvant à moyenne portée, apparemment c'est plus efficace contre les gens comme ça. Très bien. Et nous, on est sur des espèces de... des mecs dégueulasses, des péons. Donc notre frappe serait plus efficace, par contre elle touche que une cible. Sachant qu'ils sont un peu pourris, ils ont 4 de vie. Hein. On va essayer de faire des dégâts à 2 d'un coup. C'est parti. Un petit coup de lance. Et on les one shot. Comme ça c'est fait. Donc du coup lui se retrouve considéré comme à courte portée hein, puisqu'il n'y a plus personne devant. On peut donc l'attaquer avec notre petit coup d'épée. Et c'est parti. Voilà, un combat rondement mené. Donc pour lui à utiliser, vous voyez deux points pour utiliser sa compétence spéciale. On va remettre l'ami Sarge devant, au cas où on retombe sur des pièges. Et on avance. Vous avez dit que j'avais un mauvais pressentiment. C'est toi qui as insisté pour qu'on vienne jusqu'ici. Continuez de vous disputer et vous resterez de glace, littéralement. On a trouvé ce qu'on cherchait, ici il fait un froid de canard, pour ma part je suis prêt à rentrer. Attendez, il y a un corps, on dirait le corps d'une jeune fille. Qui c'est ? Elle ne vient pas de la herche, son visage ne me dit rien et aucune autre équipe n'est venue aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas le temps de l'aider, fouillez-la. Moi ? Jamais ? Attendez, elle respire encore. On devrait l'aider, qui sait depuis combien de temps elle est restée là ? Tu veux la ramener? Ça va pas la tête, on la connaît pas, si ça se trouve, elle fait partie de la flamme verte. Elle n'en a pas vraiment l'air. On ne peut pas risquer de dévoiler l'emplacement de Dalliarch. Céleste nous ferait couper la tête, et si elle choisissait d'utiliser ses pouvoirs magiques? Pas de quoi s'en faire, elle est inconsciente, le capitaine Landville décidera de son sort. On dirait que c'est ton jour de chance, ma jolie. Ok, très bien. I once read, a man would have to go below the waves to understand the true scale of an iceberg. Reminds me of you, dear father. I confess I never really knew you. After all, how does one get the measure of a man when there's so much beneath the surface? Nevertheless, I owe my survival of Zumurut's blistering deserts and the wild forests of Sylvia to your training. When I was summoned home to Edina, in order to read your last will and testament, I didn't know what to expect. I suppose it comes as no surprise. You remained a mystery, even in death.
I now find myself beckoned to the dwarven realm of Darkheim by the encrypted journal and ancient relic you left behind. On an expedition to the cursed city of Isenir for answers you never provided. I shall not be daunted. My determination is equal to the task at hand. If, as you say, this Vambrace is the key to entering that forbidden city, I will find what I seek. My journey has been difficult. Since the Vambrace entered my possession, I have been plagued by unsettling dreams of a ghostly blade cutting me down. Et on est donc parti pour le chapitre 1, l'aventurière. Donc comme je vous le disais, un autre truc qui rapproche de d'Arqueuse Donjon, hein, c'est les dernières volontés de la famille, etc. qui font qu'elle se lance dans sa nouvelle quête. Sachant, je ne l'ai pas dit au début, mais ça peut être intéressant, hein, que c'est un jeu qui a été édité par les mêmes qui ont fait d'Arqueuse Donjon. Donc il n'a pas été développé par la même équipe, mais édité par eux. Donc c'est qu'ils ont quand même plutôt cautionné le truc, quoi. Alors, fille, aïe, ma tête! Tu te réveilles enfin, hein, belle au bois dormant. Qui êtes-vous? Que ce soit clair, c'est moi qui pose les questions ici. Quel est ton nom? Je m'appelle Lyric, Evelia Lyric. Moi c'est Landville Esquire. Tu as de la chance qu'on t'ait trouvé, quelques minutes de plus et tu aurais fini gelé. J'ai dû m'évanouir, je n'ai jamais eu aussi froid. Malheureusement, on s'y est vite habitué par ici. Céleste hésitait fortement à te laisser là-haut dans le froid. Heureusement pour toi, c'est pas elle qui décide et j'ai l'esprit généreux. Là-haut? Ça veut dire qu'on est sous terre? Tu es vraiment futé! Je me suis permis de jeter un coup d'œil dans tes affaires. Le matériel d'escalade et un livre incompréhensible, tu peux m'expliquer? Je suis venu pour obtenir des réponses à propos de mon père, le docteur Niccolo Lyric. Je suis venu jusqu'ici d'Edena avec son livre. D'accord, tout le monde sait que personne ne rentre et ne sort d'Isner. Isner, vous voulez dire que j'y suis? J'ai réussi à rentrer dans la ville? Supposons que, l'espace d'un instant, je crois ton histoire absurde. Comment est-ce que tu as pu franchir le mur de glace? La protection autour de la ville? Je suis passé à travers? J'en ai assez de ces idioties. Tu crois que je n'ai jamais vu ce qu'il se passe quand quelqu'un la touche? Il meurt! Les seuls fous qui arrivent à passer sont soit des revenants, des survivants aliénés ou la flamme verte. Pour autant que je sache, tu n'es ni morte ni aliénée. Alors allons droit au but. Quel lien as-tu avec la flamme verte? Non, on ne connaît pas la flamme verte, nous. La flamme quoi? La flamme verte, la secte arconique qui cherche à détruire l'alliance des gardiens. Ça ne te rappelle quelque chose ou tu vivais dans une grotte? C'est eux qui sont responsables de ce froid glacial? Je vous assure que je ne suis pas avec eux, je viens d'arriver ici. T'es sérieuse quand tu dis ça? Eh bien, imagine ma surprise en apprenant que quelqu'un venant d'Enni avait choisi de se promener à la surface. Écoutez, j'ai une affaire de la plus haute importance. Je cherche un homme du nom de Zakhar, vous le connaissez? Je ne dirai pas un mot de plus. Et je me sens généreux aujourd'hui, je te donne la permission de rester à Dalearc jusqu'à ce que je trouve quoi faire de toi. Dalearc? Oh, c'est le nom de notre chère demeure située dans les profondeurs d'Isner. Bienvenue au paradis. Vous me laissez partir? Tu n'as nulle part d'autre où aller, tu fais mieux de faire comme chez toi. Oh oui, prends ça, tu en auras besoin si tu espères survivre ici. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des élions, c'est la seule monnaie qui vaut quelque chose par ici. C'est un petit cadeau de bienvenue. Je n'ai jamais vu ce genre de billet. Au moindre coup fourré, dis bonjour à la mort, à la prison ou à là où on t'a trouvé. Ai-je bien été clair? Clair comme de l'eau de roche. Mouais, tout ça me paraît un peu trop facile, hein. J'ai faim, il n'y a pas quelque chose à manger par ici? Alors, on peut courir quand on est dans la ville d'Adaearc en utilisant Shift, ok, très bien. On a débloqué le Codex Illuminus, donc il y a le Codex et le journal en deux sections. Donc on peut voir le journal qui nous donne des infos sur notre mission, ok, très bien. On peut voir les sections terminées en cours, ok, on va voir ça tout de suite. Merci, je viens de le voir. Hop là. Donc pour l'instant, on a une quête.
Quitter la prison, trouver un endroit où manger, et donc on a les notes, hein, où on a la dernière volonté de notre cher papa. Très très bien. Bon, je trouve ça un peu facile le coup du bon bah finalement non, on connaît pas la flamme verte, ok bah très cool, je vais te laisser te balader totalement gratuitement dans la ville. Ça semble un peu une idée de merde. Regardons un peu ce que fait de sympathique notre chère Lyrique. Donc pour l'instant, elle n'a pas d'équipement. Elle a une compétence spéciale. C'est quoi? C'est un piolet, ça? Tornade. Ah bah c'était le truc qu'avait le mec avec son gros bouclier là. 4 points de dégâts de pénétration à deux cibles se trouvent en moyenne portée. Elle a précision mortelle. Elle peut toucher à longue portée et transpercer. Inflige des dégâts de combat à une cible se trouvant à courte portée. Donc elle a une espèce de petite arbalète. Hein. Et visiblement, elle est plutôt douée pour buter les démons. Ou je ne sais pas ce que c'est que cette chose. À part ça, elle a l'air assez moyenne partout. Ok, très bien. Au niveau inventaire, on part à zéro bien sûr. On a un formulaire de sortie. J'ai été surpris que Landville me laisse partir après l'interrogatoire. Ce formulaire rend officiel ma sortie. Alors je suis tout autant surpris qu'elle, hein. Bon, au moins, le jeu nous balance pas en mode ah oui, vous êtes un héros, salut, tirez-vous. Il y a quand même quelques petits doutes qui subsistent. On peut le jeter, on va pas le faire. Ça me paraîtrait un peu con. Et on n'a pas grand-chose d'autre à faire, donc on va se tirer de la prison du coup. Le capitaine en a terminé avec toi, hein, c'était rapide. Attends ici, il faut encore que je m'occupe de tes papiers. Ok, donc on peut lui parler, on peut pas redescendre, on peut regarder des trucs, on peut parler à cette dame. Regardons ça. Comment avoir chaud? Étape 1, faites un feu, étape 2, mettez-vous devant le feu, étape 3, profitez de la chaleur. Intéressant! Y'a rien d'autre? Non, ok, très très bien. On va discuter avec cette charmante dame. Garde tes distances avec elle ou tu seras voué à perdre l'un de tes membres. C'est Isabelle Salazar. Elle est spécialisée en magie noire, je t'aurais prévenu. Elle m'a l'air familière, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Le vent froid hurle à tes côtés et ta présence ici sera source d'angoisse. Pardon? Je ne suis pas sûr de comprendre. Tes papiers sont prêts. Déguerpis ici avant qu'on ne change d'avis. Ok, bon bah je me disais peut-être que ça pourrait faire quelqu'un de sympathique à recruter, mais visiblement c'est pas le cas. Du coup, on peut se barrer. Eh ben écoutez, salut! D'accord, alors, ok, on est donc là dans la ville de Dalehark a priori. On peut se déplacer comme ça. Alors j'imagine que les petits points d'exclamation sont des quêtes. Et les portes des endroits où on peut aller. Ici, on a une espèce de jardin. Ça m'a l'air bien pour commencer un petit temple. Salle de guérison Sylvanie. Désolé, chère étrangère, je ne peux pas vous laisser passer, à moins que vous ne soyez blessé ou que vous ayez la permission nécessaire. Ah, alors, visiblement, on n'a pas la permission nécessaire, ok. Alors ici il y a un feu. Ah, ça doit être pour recruter vu le symbole. Camp de chasseurs. Vous êtes l'étrangère que Serge a ramené. Qu'est-ce que vous faites là? Envy m'a laissé partir. Où avait-il la tête? Vous êtes peut-être libre, mais vous n'êtes toujours pas autorisé à venir ici. Reculez! D'accord. Bon bah, j'imagine que pour l'instant tout doit être bloqué tant qu'on n'aura pas été voir un petit peu ce qui se passait. Là c'est pour sortir. On va peut-être pas se tirer tout seul. Ça me paraît une idée de merde. Ici, il y a une porte. Ça ressemble bien à une taverne. Oui, une taverne. Où pensez-vous aller, étrangère? Vous avez besoin de la permission de Zakhar pour venir ici. Ah, Zakhar. Tiens donc. C'est pas lui qu'on cherche? Alors, est-ce que je peux avoir mes trucs? Voilà. Là, non. Les tutoriels, non. Les options, non. Non, je peux pas accéder à mon inventaire, etc. quand on est en zone comme ça, très très bien. Reculez! Les civils ne sont pas autorisés à pénétrer ici. Ben, dis donc. Alors, le journal. Nanana, maître Charfi, j'ai pris pour que la mère tout est en point de santé. Celui-ci, c'est que je suis déjà parti, j'ai tous mes biens à ce brassard. Les réponses que tu cherches ne se seront pas relevées dans Edena. Tu disposes maintenant de mon codex Illuminus, ces pages enchantées ont été dispersées à travers tout Isner.
Tu cherches à obtenir la vérité, suis les instructions suivantes. Équipe-toi de cette relique et entre dans la ville maudite. Le brassard te protégera, trouve mes pages perdues et cherche celui qui s'appelle Zakar. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu plus scénarisé hein, que Darkest Donjon. Je trouve plutôt prometteur, moi en tout cas. Les graphismes sont sympas et même si le gameplay reste assez simple, il y a quand même un bon potentiel. Du coup, avant d'avancer plus dans l'histoire, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit j'aime si vous voulez voir la suite. Et si jamais vous ne voulez pas être spoilé, que le jeu vous intéresse, il y a les liens dans la description pour l'acheter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre série. Si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe ensuite, un peu plus de gameplay, peut-être savoir comment ça se passe quand on est en ville comme ça, de nouveaux épisodes vont suivre. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.